L'état social de ces peuples différait aussi sous plusieurs rapports de ce qu'on voyait dans l'Ancien Monde. On eût dit qu'ils s'étaient multipliés librement au sein de leur désert, sans contact avec des races plus civilisées que la leur. On ne rencontrait donc point chez eux ces notions douteuses et incohérentes du bien et du mal, cette corruption profonde qui se mêle d'ordinaire à l'ignorance et à la rudesse des mœurs, chez les nations policées qui sont redevenues barbares. L'Indien ne devait rien qu'à lui-même. Ses vertus, ses vices, ses préjugés étaient son propre ouvrage. Il avait grandi dans l'indépendance sauvage de la nature, sa nature. La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays policés, ne vient pas seulement de ce qu'ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu'étant tels, ils se trouvent journellement en contact avec des hommes éclairés et riches. La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui vient chaque jour contraster avec le bonheur et la puissance de quelques-uns de leurs semblables, excite en même temps dans leur cœur de la colère et de la crainte. Le sentiment de leur infériorité et de leur dépendance les irrite et les humilie. Cet état inférieur de l'âme se reproduit dans leurs mœurs ainsi que dans leur langage. Ils sont tout à la fois insolents et bas. La vérité de ceci se prouva aisément par l'observation. Le peuple est plus grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs, dans les cités opulentes que dans les campagnes. Dans ces lieux où se rencontrent ces hommes si forts et si riches, les faibles et les pauvres se sentent comme accablés de leur bassesse. Ne découvrant aucun point par lequel ils puissent regagner l'égalité, ils désespèrent entièrement d'eux-mêmes et se laissent tomber au-dessous de la dignité humaine. Cet effet fâcheux du contraste des conditions ne se retrouve point dans la vie sauvage. Les Indiens, en même temps qu'ils sont tous ignorants et pauvres, sont tous égaux et libres. Lors de l'arrivée des Européens, l'indigène de l'Amérique du Nord ignorait encore le prix des richesses et se montrait indifférent au bien-être que l'homme civilisé acquiert avec elles. Cependant, on n'apercevait en lui rien de grossier. Il régnait au contraire dans ses façons d'agir une réserve habituelle et une sorte de politesse aristocratique. Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans la guerre au-delà même des bornes connues de la férocité humaine, l'Indien s'exposait à mourir de faim pour secourir l'étranger qui frappait le soir à la porte de sa cabane, et il déchirait de ses propres mains les membres palpitants de son prisonnier. Les plus fameuses républiques antiques n'avaient jamais admiré de courage plus ferme, d'âme plus orgueilleuse, de plus intraitable amour de l'indépendance que n'en cachaient alors les bois sauvages du Nouveau Monde. Les Européens ne produisirent que peu d'impression en abordant sur les rivages de l'Amérique du Nord. Leur présence ne fit naître ni envie ni peur. Quelle prise pouvait-il avoir sur de pareils hommes? L'Indien savait vivre sans besoin, souffrir sans se plaindre et mourir en chantant. Comme tous les autres membres de la grande famille humaine, ces sauvages croyaient du reste à l'existence d'un monde meilleur et adoraient sous différents noms le Dieu créateur de l'univers. Leurs notions sur les grandes vérités intellectuelles étaient en général simples et philosophiques. Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous traçons ici le caractère, on ne saurait pourtant douter qu'un autre peuple plus civilisé, plus avancé en toutes choses que lui, ne l'eût précédé dans ces mêmes régions. Une tradition obscure mais répandue chez la plupart des tribus indiennes des bords de l'Atlantique nous enseigne que jadis, la demeure de ces mêmes peuples avait été placée à l'ouest du Mississippi, le long des rives de l'Ohio et dans toute la vallée centrale, on trouve encore chaque jour des monticules élevés par la main de l'homme. Lorsqu'on creuse jusqu'au centre de ces monuments, on ne manque guère, dit-on, de rencontrer des ossements humains, des instruments étranges, des armes, des ustensiles de tout genre faits d'un métal ou rappelant des usages ignorés des races actuelles.
Les Indiens de nos jours ne peuvent donner aucun renseignement sur l'histoire de ce peuple inconnu. Ceux qui vivaient il y a 300 ans lors de la découverte de l'Amérique n'ont rien dit non plus dont on puisse inférer même une hypothèse. Les traditions, ces monuments périssables et sans cesse renaissants du monde primitif, ne fournissent aucune lumière. Là, cependant, ont vécu des milliers de nos semblables, on ne saurait en douter. Quand y sont-ils venus? Quelle a été leur origine, leur destinée, leur histoire? Quand et comment ont-ils péri? Nul ne pouvait le dire. Chose bizarre. Il y a des peuples qui sont si complètement disparus de la terre que le souvenir même de leur nom s'est effacé. Leurs langues sont perdues, leur gloire s'est évanouie comme un son sans écho. Mais je ne sais s'il en est un seul qui n'ait pas au moins laissé un tombeau en mémoire de son passage. Ainsi, de tous les ouvrages de l'homme, le plus durable est encore celui qui retrace le mieux son néant et ses misères. Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût habité par de nombreuses tribus indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte, il ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient, mais ne le possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprie le sol, et les premiers habitants de l'Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse. Leurs implacables préjugés, leurs passions indomptées, leurs vices, et plus encore peut-être leurs sauvages vertus, les livraient à une destruction inévitable. La ruine de ces peuples a commencé du jour où les Européens ont abordé sur leurs rivages. Elle a toujours continué depuis. Elle achève de s'opérer de nos jours. La Providence, en les plaçant au milieu des richesses du Nouveau Monde, semblait ne leur en avoir donné qu'un court usufruit. Ils n'étaient là en quelque sorte qu'en attendant. Ces côtes, si bien préparées pour le commerce et l'industrie, ces fleuves si profonds, cette inépuisable vallée du Mississippi, ce continent tout entier, apparaissaient alors comme le berceau encore vide d'une grande nation. C'est là que les hommes civilisés devaient essayer de bâtir la société sur des fondements nouveaux, et qu'appliquant pour la première fois des théories jusqu'alors inconnues ou réputées inapplicables, ils allaient donner au monde un spectacle auquel l'histoire du passé ne l'avait pas préparé.